Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Voici le saint du jour. Aujourd'hui est 25 avril 2023. L'église fait mémoire de Sémoc l'évangéliste. Sémoc, t'es probablement une race Araron, les fêtes dans ville Galilée, dans pays Israël. Moc, c'était un juif dans le premier siècle. Mentionné dans le travail à Potio, à divers l'autre côté, y'a référé. Tradition chrétienne, y'a crédité pour te écrit évangile synoptique qui portait nom dans le Nouveau Testament. Et il était ajouté plusieurs histoires concernant la ville. Moc, t'es vin symbole ville Venise. Après le passage li dans la lagune, côté yon ange te dit phrase qui t'apprête vin devise villa. Pax tibi, Marcel Evangelista Meus. C'est Moc, c'est yon nan 12 apôtres Jésus-Christ. Moc, te gen pou nom réel Jean-Marc. Avant yon te immigré nan Palestine, dans ces marques d'après tradition orthodoxe copio, li sorti dans province romaine, dans région Cyréniaque. Ces marques, c'était disciple apôtre Paul avec apôtre Pierre. Ces marques, c'était une des premiers convertis au christianisme. Il était participé dans l'évangélisation empire romain. C'est Marc, c'est auteur l'évangile d'après Marc qui situé dans le Nouveau Testament et l'est considéré comme plus ancien dans quatre l'évangile synoptique. Style littéraire l'évangile attribué à Saint Marc. Tradition chrétienne reconnaît Saint Marc comme fondateur et premier évêque l'église Alexandrie. Saint Marc, c'est saint patron, tout secrétaire, notaire, écrivain, greffier, vitrier, opticien yo. Li mouri dans le premier siècle après Jésus-Christ. Pensez nous retenir pour aujourd'hui. Sorti dans l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 17, verset 20. Cette sorte de démon ne se chasse pas que par la prière et le jeûne. Radio Télé Petite Maman Marie, avec famille Petite Maman Marie, souhaitez chaque chrétien catholique qui gagne ses marques, l'évangéliste comme patron, bonne fête.